Kuma Minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode 9 de Shenmue de sa CD numéro 2. Bienvenue à Miyama. Enfin, ça y est, donc après tant d'énigmatiques, si on peut dire, sur cette fameuse lettre qu'on avait reçue 4 jours après la mort d'Iwa Watsuki, qui était fait pour lui. Et nous avons enfin trouvé, du coup, ce fameux port. Ah, peut-être déjà une cinématique. Hey, you! I said hand over all your money! I don't have no more! Please, leave me be! No more? Don't mess with me! Stop it! And just who are you? Don't you know that blackmail is way uncool? Thinks you stuff, eh? Eh? You Hazuki from Suka High! Hazuki! Yeah? So what? I ain't afraid of him! I could take this geek! You're no match for me! Dono-san! Hey! Hey, you! Wait! Damn! Whoa, you've had it now! Oh, pretty tough after all. What? I have a question. Warehouse number 8? Where is it? Yeah. Down the street. There's a new warehouse district. Turn right, and number 8 should be there. So it's straight, and to the right. That's it! Well, time for us to go! Alors j'adore, ils se font tabasser et ils repartent tranquille, comme si c'était rien passé. Alors je revenais sur ce que je disais après avoir reçu cette lettre, donc 4 jours après la mort d'Iwa Watsuki. On a dû déchiffrer ce papier qui était donc en chinois. Et qui disait tout simplement, rappelez-vous, que donc le père de Ryo Hazuki courait un véritable danger, que s'il avait besoin d'aide, il fallait faire appel au maître Chen. Et qu'au final, on avait donc un mot de passe avec un numéro de téléphone, et ce numéro de téléphone nous amenait directement ici. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver ce fameux entrepôt numéro 8. I need to go to warehouse number 8, but... Oh, number 8? It's right behind here. Do you have some business at the warehouse? Well, sort of. So it's right behind here. Thanks a lot. Alors c'était un épisode pour moi un peu riche en rebondissements dans ce jeu et surtout au moment où je fais le tournage parce que il s'avère que on est le 21 ou le 23, je sais plus, attendez laissez-moi regarder. On est le 22 et il y a deux jours il s'avère qu'en fait ma Dreamcast m'a complètement lâché. J'étais à deux doigts de boucler l'épisode que je voulais faire il y a deux jours et il s'avère malheureusement que le bloc optique m'a lâché au mauvais moment. Donc ce qui était un peu dommage, j'ai dû racheter une Dreamcast d'occasion, vous avez pu le voir sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors du coup, je ne peux pas rentrer, donc du coup, bah, vous connaissez un peu le proverbe, hein, on sort par la grande porte, on repasse par la fenêtre, donc on va faire le tour, ouais, il y a de quoi, il y a une petite, il y a un petit paquet qui va permettre de monter dessus, et qui va permettre d'aller à la fenêtre, donc c'est ce qu'on va faire. Alors ouais, c'est vrai que ça m'a un petit peu embêté, du coup ça m'a bloqué en quelque sorte parce que je voulais vraiment avancer cette saga. Donc du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Enfin, je verrai bien. Mais pourvu que cette histoire de bloc optique ne se répète pas une fois de plus. On va monter dessus, voilà. Et on va enfin savoir si oui ou non, le maître Chen est dans l'entrée numéro 8. Et si jamais c'est pas le cas, on va finir cet épisode donc à l'heure à laquelle que vous voyez sur l'écran à 19h pétante. Et... peut-être que sur le prochain épisode, là, on verrait éventuellement le maître Chen. Alors, donc nous voilà l'entrepôt numéro 8. There must be some information here. Alors, ce qui est assez étonnant, tout à l'heure je ne pouvais pas entrer, mais là, l'entrepôt est fermé, c'est assez bizarre. On va regarder ici s'il n'est pas là. Suspense. This looks like an office. Non, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'entrepôt qu'on cherche. Alors ça fait un petit bout de temps que ça faisait à peu près un an et demi, deux ans que je l'avais
pas fait ce jeu. Donc j'ai peut-être forcément perdu, perdu quelques trucs. Mais il faut savoir aussi qu'il y a tellement de scènes dans ce jeu, comme je l'avais dit la dernière fois, que je n'ai peut-être pas tout vu. When you look at this invoice, the address is wrong. So it is. I've asked them a million times to get it right. Yeah, it says right here, Old Warehouse District. What are they thinking? Can you call over to the old warehouse number 8? Okay, donc c'est bien ce qui me semblait, il y a bien un autre entrepôt numéro 8. Et donc je pense que les résidents, en quelque sorte, le maître Chen doit être dans ce vieil entrepôt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le retrouver. On va ressortir d'ici et puis on va aller revoir Hirakasan. Alors, donc c'est vrai que les temps de chargement sont un peu longs. C'est un petit peu comme quand on lançait un jeu PlayStation 1 sur sa console. Après le fameux startup, on priait le bon Dieu pour que le jeu allait se lancer. Et moi, c'est ce que j'ai eu, deux trois jours quand j'ai voulu faire ce tournage. Arrivé quasiment à la fin de l'épisode auquel je voulais tourner, je me suis retrouvé avec un écran noir et le fond musical qui allait avec. Et il s'avère malheureusement que la console a complètement bugué. Et en la relançant, j'ai eu ce genre de problème. Le lecteur ne me lit plus les jeux. Et c'est ce qui était un peu embêtant. Donc apparemment, le vieil entrepôt est tout au bout. Et ce qui est vraiment génial sur ce genre de graphisme de l'époque, en plus, faut vraiment le dire, il y a encore de la gueule. Ce n'est pas comme les jeux d'arcade, notamment les jeux de course, qu'avait fait Sega à l'époque quand... on était au début de la 3D. Ah putain de courant à la con. Faut savoir que tous les graphismes que vous voyez, donc là si je tourne à gauche, tout est déjà indiqué. Alors qu'à l'époque, quand on jouait à un jeu de voiture et qu'on s'approchait d'un endroit en question, le plan qui était au fond auquel on allait se joindre, si je puis dire, et ben le plan se chargeait. Alors que là, tout est chargé, ce qui est plutôt pas mal. Aucun temps de lag, bon, hey, uniquement les endroits auxquels on veut aller. This place isn't open to the public. Go on, get out. Donc là, je peux strictement pas passer. Alors, ce qui est assez marrant, le geste est le même, mais la tête n'est... Le geste qu'a fait l'officier est le même, mais la tête n'est différente, ce qui est plutôt génial. Donc là, je ne peux pas y entrer. Il faudrait que j'attende le soir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner une fois de plus. Il va pas se passer grand-chose dans cet épisode, donc ça, faut pas vous étonner. Donc, si vous voulez avancer, avancez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que le plus important, je pense que le maître Chen... qu'on va rencontrer, je pense, sera au prochain épisode, mais on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus. Savoir quand exactement je pourrais m'y introduire. On va voir ça tout de suite. Donc vraiment super beau paysage, hein. Y a rien à dire. Alors, pour s'y rendre, forcément, il faudra prendre le bus. Il faudra prendre le bus, il n'y a pas d'autre moyen de locomotion, ni le vélo, ni la voiture, ni la moto. What is it? Lend me some money. No way. Why not? Come on, lend me some. I said no. I know you'd only waste it. Prude! See if I ask you anymore. My? Hisaka-san. Hi, Dill. What's wrong? Mai's hanging with a bad crowd and treating our family bad. She wasn't like that before. Really? Yo, could you talk to her? She won't listen to me at all. Me? Yes, considering you've known her since she was young. Please, talk to her. On va aller l'aider en même temps, comme on a du temps à tuer. I'll try. Really? Alors ce qui est assez étonnant quand même quand on fait une demande aux gens She's pour aller à tel harbor, endroit. Pardon, ce qui est bizarre, c'est que avec la cinématique que vous avez pu avoir, il se peut que la question que vous avez posée avant, il la repose maintenant. Donc on va aller voir directement au bout. Donc, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. C'est le seul truc qui me à laquelle je pense. Donc on va voir. Suspense. Allons voir. Oh bah ça a l'air d'aller. Parce que c'est à cet endroit là que j'allais être bloqué. Donc à mon avis, j'espère que ça va pas se répéter une fois. How'd that bum get in here anyway? No idea. Ok.
Are you all right? Yeah. Young man, sure's a cool day, eh? Don't suppose you'd buy an old man a can of coffee, eh? Bah maintenant que tu le demandes, on va t'en offrir un des cafés. Heureusement que j'ai de l'argent, parce que là... Alors, hop, voilà. On lui prend un café. Voilà, on va lui faire plaisir. De toute façon, on n'a pas le choix en même temps. Et puis on va aller lui donner, hein, ça sera pas mal. I guess I'll take this over to him. Alors peut-être que ce bonhomme, vous allez le revoir. Peut-être qu'il nous sera utile pour plus tard, on ne sait pas. Qui sait? Here. Oh. Oh. That's so warm. Much obliged, young man. Mister, where do you live? In this here harbor. Long about 3 years, I reckon. Really? Well, take care of yourself. Il a quand même de bon cœur, ce Rio. Alors du coup, on va aller retrouver Mai. Rien à voir certainement avec une des combattantes de King of Fighters, Mai Shiranui, à mon avis, mais bon. Alors, ça doit être au fond. Ouais, c'est ici normalement qu'elle se retrouve. Ouais, c'est là. Mai. What are you doing? Mai, your sister's worried about you. Let's go home. Who the hell is this? Screw off, asshole! Kiss off! Not so bright, are you? Bastard! I'm gonna kick your ass! Let me go! You shouldn't play with stuff like this. What are you doing? I'm not going to preach to you, Mai. But you shouldn't treat your sister that way. Not family. Yo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner la voir, une fois de plus. Lui dire que ça y est, on a en quelque sorte parlé à Mai, mais à mon avis, je ne pense pas que ça fait avancer les choses. On va y retourner. Hop. Et à mon avis, on va se quitter un peu là-dessus, puis on se retrouvera sur le prochain épisode. On va voir comment ça va se passer. Tain, c'est vrai quand même, le port est bien long. Donc bien long et quand même vachement étonnant que aucun temps de lag, aucun temps de chargement, ni quoi ni qu'est-ce. Toujours encore avec ces histoires de personnages qui apparaissent quand on est très très proche d'eux. C'est le seul défaut que je trouve là-dessus. Mais franchement, génialissime, super beau décor. How did it go, dude? Voilà. Not sure, but it's her decision. By the way, Hisaka-san. What is it? Do you know the old warehouse district? Yes, I do. Oh, it's a bit far. It's just up the street. I have to go make a delivery there now. Really? Yes, to the security office there. The security office? Hisaka-san? I could make the delivery for you. Oh, really? That'd be a great help. They've already paid. All right. But... What? There are only 10 security guards, but they always order 12 meals. I wonder why. Two extra meals? Well, here it is, Ryo. Donc apparemment, il y aurait des gardes. Donc là, le fait de livrer la bouffe... Excuse me, Hoko Hoko lunches. Ça pourrait nous avancer un peu à quelle heure sont les gardes, parce qu'apparemment ils sont une douzaine, si j'ai bien compris. Okay.
Il est 7h moins le quart, donc on va pas tarder à se quitter. On va certainement finir sur cette scénette. Voilà, entre 20h et 21h. Donc ils arrivent. You're on duty in the new warehouse district from 8 PM too? Yeah. Man, guess we'll be short-handed here again. As if the night shift isn't busy enough. Hey, you still here? If you're done, go on, get out. Yes. Between 8 and 9 p.m., that's my chance. Donc c'est ça, entre 8h et 9h, donc on va se retrouver sur un prochain épisode. Peut-être que la sonnette va se finir. Isaka-san, I'm done. Have any trouble finding it? Not really. You've been a big help. Thank you, yo. Anytime. Bah voilà, du coup, on va se quitter sur cet épisode. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait énormément plaisir. Lâchez-moi un commentaire, c'est comme ça qu'on fera avancer le Schmickblick. On se retrouvera pour l'épisode numéro 10, à la rencontre du maître. Sayonara Tomodachi! Wait the fucking don't get fucking ass.